Salut à tous, j'ai l'immense plaisir de vous parler aujourd'hui d'un des derniers dinosaures de la production automobile américaine. C'est un méga signe extérieur de richesse, c'est lourd, c'est bling bling. Je vais vous parler de la Cadillac Fleetwood Brougham 1995. On est chez GM au début des années 90 et c'est l'ère du biodesign. On est sur des lignes plus pures, plus aérodynamiques, moins de furitures. Et pour autant, on reste quand même sur les codes d'une bonne grosse Cadillac des années 70. Il faut que ce soit quand même un minimum ostentatoire avec une énorme calandre chromée. Au niveau des feux, on part cette fois-ci sur des feux avec des formes, on va dire, un peu plus originales, un peu plus européennes. On abandonne les sealbeams, les feux carrés standardisés des générations précédentes pour arriver sur quelque chose de plus moderne. On a aussi ces énormes pare-chocs chromés qui détonnent avec la période. On est quand même en 95, hein. Les pare-chocs chromés en 95, c'est quelque chose qui se fait quasiment plus, sauf chez Cadillac. De série, on avait aussi ces énormes, si je dis pas de bêtises, on est sur du 16 pouces en pneus à flanc blanc, une taille aussi assez unique pour l'époque. Les pneus devaient pas être donnés, hein, en 95. Maintenant c'est la norme, mais à l'époque c'était quand même un détail assez significatif. Et tous ces chromes le long de la voiture, à savoir que là on est sur vraiment le top du top à la finition haut de gamme Brougham, ce qui inclut ce magnifique toit vinyle et pas mal d'autres options. Ce toit vinyle, ce qui est assez marrant quand on se rapproche, c'est qu'il y a un petit effet crocodile qui rajoute un peu de cachet. Et celle-là, elle est dans un état d'origine vraiment génial. Ça permet vraiment de se plonger dans le sentiment qu'avait l'acheteur à l'époque quand le modèle sortait de la concession. Donc c'est vraiment bourré de chrome. C'est assez incroyable dans les années 90 d'avoir autant de rappels au modèle mythique des années 70. Ça c'est pareil, les répétiteurs de clignotants, c'est un truc totalement has-been dans les années 90. On a vraiment le sentiment qu'ils n'ont pas voulu dépayser la clientèle Cadillac. C'est vraiment le dernier jet, la dernière Cadillac à l'ancienne pour faire plaisir aux plus conservateurs, aux fidèles de la marque. On va passer ensuite à l'intérieur. Mais là, vraiment, il y a tellement de détails que je vais prendre le temps d'en faire le tour. Donc là, par contre, c'est vraiment un aspect un peu plus moderne du véhicule, hein, ce rétroviseur avec une forme bien aérodynamique, vraiment plus dans son époque, qui change des rétro-chromés qu'on avait encore sur les Cadillac quelques années auparavant. C'est vraiment un paquebot aussi en termes de dimension. Un détail aussi bien significatif des années 70, les grosses bananes à l'avant pour protéger le pare-choc. Ça, c'est assez inédit dans les années 90 d'avoir encore ça. Comment oublier l'insigne Cadillac à l'avant qui vient juste... c'est juste cherry on the cake, quoi. Quand tu conduis d'avoir ça à l'horizon, c'est voilà, t'es le boss, quoi. T'as réussi ta vie. Ah, donc combien de clips de rap on a vu cette bagnole aussi transformée en lowrider ou même laissée comme ça full origine. C'est vraiment sur le profil qu'on se rend compte aussi de l'évolution de cette Fleetwood. On est sur une ligne quand même générale bien plus aérodynamique, bien plus dans l'air du temps, et des dimensions de paquebot. On est sur du 5m70 qui est vraiment énorme. C'est la voiture américaine, la berline américaine la plus longue de cette époque. Il n'y a pas plus long. Ce qui est assez incroyable, c'est que la Fleetwood précédente n'était pas aussi longue. Elle est 50 cm plus longue que les Fleetwood downsizées qu'il y a eu dans les années 80 jusqu'au début des années 90. Par certains aspects, elle fait plus fluette, plus fine, même si elle a des dimensions de paquebot. Et par contre, quand on regarde des détails, comme le passage de roue, comme ça, quasiment carré, il est vraiment énorme. Et ça donne un aspect encore plus massif à cette bagnole. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que les chromes sont vraiment ultra présents. Faut vraiment que ça soit, ça soit brillant, que ça étincelle de 1000 feux à 15 km. Tout le bas de caisse de la bagnole est chromé. C'est vraiment zéro discrétion. On a aussi ces belles jantes Cadillac d'époque, couleur argent. Et détail qui va nous rappeler chez nous les Citroën, hein. Et qui nous rappelle également les années 70, les roues arrière qui sont à moitié cachées dans l'aile. Et ces bagnoles-là, ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'époque, il y a vraiment deux clientèles. Il y a d'un côté les conservateurs, généralement des personnes âgées qui sont fidèles à la marque depuis des années et qui veulent retrouver un certain standing Cadillac.
Et d'autre part, on a aussi bah, tout ce qui est bah, une clientèle plus jeune, rappeur, West Coast, qui cherche vraiment une bagnole un peu bling bling. En fait, il n'y a pas plus gros signe extérieur de richesse. Alors c'est sûr que de s'afficher avec une européenne, c'est plus distingué, plus raffiné. Et la Cadillac, ça a ce côté vraiment un peu bourrin, un peu j'ai réussi et je veux le montrer, un peu beauf. Elle a vraiment gardé un paquet de gimmicks de bagnoles de luxe des années 70, c'est impressionnant. Et à l'arrière non plus, la clientèle Cadillac ne sera pas du tout dépaysée. On retrouve vraiment un style typique des Cadillac depuis les 70s. C'est simple, pour certains, on peut mettre un arrière de Fleetwood des 70s et celle-là, et ils ne verront même pas la différence. On retrouve voilà, cette identité des Cadillac de l'époque, avec ces deux feux verticaux de chaque côté, les feux de recul qui rejoignent la plaque au centre. On a toujours ce gros pare-choc chromé et les petites bananes de protection. Et dans ce noir, elle est juste sublime, quoi. C'est la voiture de gangster ultime. Mais regardez-moi cette longueur, ça saute encore plus aux yeux quand on la regarde comme ça, là. Elle a l'air interminable. C'est un véritable chef-d'œuvre. On a vraiment le meilleur du design Cadillac, mêlé aux lignes un peu plus aérodynamiques des années 90. Mais est-ce que ce serait pas la meilleure Cadillac au monde? L'essai routier va peut-être le confirmer. Et cette Cadillac, elle est motorisée par le V8 5,7 litres LT1 dérivé des Corvettes, mais dans une version plus sage, hein, qui a été introduite en 94, qui donne 260 chevaux. Un bloc vraiment très fiable, performant, qui a fait ses preuves. Et à l'époque, on annonçait un 0 à 100 en 8 secondes 5, ce qui est quand même pas mal pour une grosse berline de plus de 2 tonnes. Bon, à cette époque, on voit encore la mécanique, hein, on cherche pas à faire quelque chose d'extrêmement photogénique. Ça reste du brut, on n'est pas chez Rolls-Royce. Et ce moteur est accouplé du coup à une boîte auto 4L60, 4 rapports. Voyons voir. Donc là, on est sur un intérieur crème, full cuir, une bonne moquette bien épaisse. C'est vraiment très joli, très lumineux. Hop, on a du bois aussi ici. Avec toutes les petites commandes chromées, bon bah là c'est une caisse full option, hein. Je veux dire, il n'y a pas d'option là-dessus, hein. Surtout une Brougham, c'est juste le top du top, hein. Les commandes de vitres électriques, le blocage des vitres, le réglage des rétroviseurs, les nombreux réglages de sièges électriques. Là on a les commandes sur le siège du siège chauffant, des lombaires, et l'intérieur est vraiment sublime. On sent qu'on va être bien dans ces gros sièges bien épais, bien moelleux. Hop. Pour vous rendre compte un peu de l'épaisseur des sièges, on va passer aussi là. Regardez-moi ça, c'est vraiment du gros fauteuil à mémé, quoi. En 95, voilà, il y a à l'intérieur, c'est pareil, il n'y a pas de dépaysement pour la clientèle Cadillac. Il y a beaucoup d'espace aux jambes, c'est très lumineux, c'est hyper moelleux, c'est très épais, c'est fou. Voilà, on sent qu'on est vraiment dans de la super berline dans laquelle on a envie d'avaler les bornes. On retrouve toujours ce même type de garniture avec un immense cendrier et chacun son petit allume-cigare. Hop, donc là, je monte tel un président à l'arrière de cette Cadillac Fleetwood Brougham 1995. J'ai un espace aux jambes absolument génial. Des pochettes derrière les sièges avant pour ranger des affaires. On est super bien installé, franchement c'est parfait au niveau du moelleux, c'est un vrai fauteuil. Un petit détail génial que je viens de voir, hop, petit miroir de courtoisie pour les passagers de l'arrière, la grande classe avec le petit variateur d'intensité, c'est génial, c'est vraiment le truc bien luxueux. On est vraiment bien là, je suis trop bien installé. Petite broderie Cadillac au milieu. Alors là, on peut pas plus 70s. Les boucles de ceinture sont restées les mêmes que dans les 70s, hein, chromé comme ça avec le logo Cadillac. C'est trop beau. C'est vraiment magnifique. On est super bien là. On a envie de faire de la route avec ça. La planche de bord, elle a un look extrêmement épuré. C'est plus épuré que les années précédentes. Il n'y a pas des boutons partout. Il n'y a pas trop de petits détails de chrome. Il y en a, mais ça reste quand même assez soft par rapport à ce qu'on a connu chez Cadillac. En revanche, l'ergonomie, on retrouve l'ergonomie typique, hein. Comme ça, avec la petite tirette pour les feux d'éclairage, le petit système d'allumage automatique des feux dont on peut régler la précision. Des Komodo typiques General Motors, non, ça par contre, ça ne change pas par rapport à un Tao ou n'importe quel GM de cette époque. Les commandes de clim qui sont assez simplifiées, voilà, il n'y a pas trop de boutons, on va à l'essentiel.
le gros autoradio typique GM de l'époque, qui doit quand même pas être trop mal au niveau sono, on est sur de l'Acadia quand même, je le rappelle. On a une belle intégration du bois dans la planche de bord, ça reste assez discret, c'est vraiment très classe, très raffiné, avec l'appellation Brougham intégrée dans le bois. C'est un bon cocktail cette Cadillac entre les années 70 et les années 90. À l'intérieur, elle est quand même plus sobre, voilà, il y a un petit peu de chrome, un peu de bois, mais ça reste assez sobre, assez raffiné. On va regarder s'il y a des particularités là. Non, voilà, c'est comme n'importe quel GM, par contre, il n'y a pas de petite folie. Autre détail absolument génial sur cette bagnole, c'est l'option des clés Cadillac plaquées or. Voilà, on ne peut pas faire plus kitsch, plus m'as-tu vu. C'était encore une époque où on sacralisait les clés, où tu t'arrivais en soirée, tu posais les clés à l'entrée et on voyait qui pesait, quoi. Là, on retrouve un compteur digital pour bien marquer l'entrée dans le monde moderne. Donc, qui affiche le compteur de vitesse, ce qui reste dans le réservoir, le kilométrage. On a aussi à gauche tous les voyants, bon là on les verra pas bien, tous les voyants classiques hein, de pression d'huile, de ceinture, de voyant moteur ou autre. On sent qu'ils ont voulu vraiment simplifier au maximum le design intérieur, le tableau de bord. Il n'y a pas trop de boutons inutiles comme on pouvait en avoir dans les années 80. L'ergonomie est simplifiée au maximum, il n'y a pas de fioritures. On laisse peut-être plus de place au design et laisser l'impression qu'on est plus dans un salon que dans une voiture. Des détails que j'adore, vous me connaissez, c'est de retrouver à chaque fois ce bon levier de vitesse au volant, vraiment typique des berlines de l'époque, avec la petite aiguille, hein. Ça par contre c'est pas digitalisé, hein. On est sur l'aiguille classique qui vient indiquer la vitesse enclenchée. On est dans une Cadillac, donc le V8. Et très discret. Ce qui est drôle par contre, c'est que la voiture tremble vraiment. Dès que j'accélère, elle vacille de gauche à droite. Je sais pas si ça se verra à l'image, mais elle tremble quoi. On sent qu'il y a vraiment un monstre sous le capot. On roule sur le couple, hein. On sent que de toute façon il y a ce qu'il faut dès le plus bas régime là-dessus. Hop, je suis déjà en deux. Les rapports glissent. Là, j'entends derrière le compresseur, comme sur les parcs avenues, qui corrige l'assiette, qui remet la suspension à bonne hauteur. Ouais, c'est hyper bien amorti, hein. Là, je viens de passer un petit ralentisseur. On le sent à peine. On a cette vue majestueuse, ce long capot plongeant avec l'insigne Cadillac au bout. Là, déjà, magnifique signe de réussite. Là, je suis le grand patron qui quitte l'usine avec ma magnifique Fleetwood flambant neuve. On entend à peine le moteur. Quasiment pas de vibration. La moindre aspérité de la route est éliminée. Ouais, vraiment, on survole la route. On a une direction bien assistée à l'américaine. Pas besoin de faire le moindre effort pour tourner le volant, même à basse vitesse. L'affichage digital est très clair, hein. On entend quand même le V8 gronder un peu à l'échappement, hein. C'est discret, mais on reconnaît quand même le V8, le doux ronron du V8. Allez, ça y est, là c'est vraiment le paquebot. Là, je viens de me taper un dos d'âne. Vous allez le voir là, je descends ce dos d'âne. Vraiment, le nez plonge. Ah ouais, c'est vraiment le paquebot des 70s quoi. Là, ils n'ont rien changé là-dessus, à part le correcteur d'assiette. On est sur une vraie suspension à l'ancienne qui se dandine. Chose assez étrange, on a le haut de ce tableau de bord, la planche de bord qui est toute plate et hyper profonde. On se croirait presque dans un monospace. On la commande. De commodo typique GM hein, qui fait pas spécialement raffiné. Ouais, on entend quand même le V8 gronder à l'arrière. Hein. C'est feutré, mais c'est juste ce qu'il faut. On reste quand même dans un véhicule de luxe où le confort prime avant tout le reste. Et je dois dire qu'en termes de confort, bah, c'est du top. Hein. Je veux dire, le siège est vraiment hyper agréable, très moelleux. C'est une vraie routière comme on peut se l'imaginer. On est coupé du reste du monde en fait. On est dans notre petite bulle, dans notre salon. Il y a une bonne insonorisation. La suspension nous enlève
toute aspérité, tout défaut de la route. Donc on est quasiment déconnecté de la route. Ce que certains n'apprécient pas, mais ce qui a du sens quand on est dans une voiture de luxe comme ça. C'est extrêmement agréable. On est vraiment, je dirais, dans la quintessence de la Cadillac. On a ce qui se fait de mieux chez Cadillac à cette époque. Voilà, comment elle se dandine, c'est un délire. Bon, c'est hyper vif, hein. Elle est hyper vive. On sent quand même l'ADN du moteur de Corvette là-dessous, même si c'est lourd. Ça envoie quand même. Au niveau du freinage, un petit peu truc un peu cheap quand même pour le prix de cette voiture. On est quand même sur le haut de gamme Cadillac. On a des disques à l'avant, mais toujours des tambours à l'arrière. Les petits restants de l'ingénierie GM qui fabrique des voitures populaires à la base, hein. Hop. Bon, la maniabilité grâce à la direction assistée, ça va, c'est correct. Par contre, le rayon de braquage mériterait à être un poil mieux. J'imaginais un truc un peu plus. Ah ouais, ça envoie. Franchement, c'est. Non, c'est puissant, hein, pour un véhicule de 2 tonnes. Franchement, on a ce qu'il faut sous la pédale, hein. C'est extrêmement agréable. Ouais. Franchement, et ça freine plutôt pas mal. Même si, voilà, comme je disais, K10 n'aurait pas été refus au prix de cette voiture à l'époque. Bon. C'est pas catastrophique non plus à la conduite. Moi, cet Insigne Cadillac, franchement, devant, c'est vraiment la grande classe, quoi. Alors, le défaut, par contre, des capots comme ça aussi longs, c'est qu'il faut vraiment s'avancer sur les stops. Sinon, tu vois rien. C'est pas vraiment adapté à une conduite en ville, hein, c'est clair. Le gabarit, déjà, il t'interdit tout stationnement dans des grandes villes. Mais en tous les cas, je crois qu'on est vraiment face au top du top des Cadillacs. On a un concentré du tout le savoir-faire Cadillac des années précédentes dans une voiture qui est peut-être un poil plus équilibrée, aussi bien dans le style que dans la conduite. C'est bateau et en même temps, c'est pas too much. On sent un peu la direction, il y a un peu moins de flou que dans les années précédentes. Je pense qu'en tenue de route, il y a aussi du mieux. On a vraiment le meilleur des années 70 et des années 90 dans cette bagnole. Et c'est des modèles qui ont très vite été collectionnés, je pense, peut-être parce qu'aussi les gens se disaient que c'est peut-être la dernière de son espèce. On a là le Saint Graal Cadillac, et c'est peut-être la dernière fois que le constructeur va nous sortir un véhicule pareil. Et ils n'avaient pas tort, puisque en 97, seulement 2 ans après, c'est terminé. C'est terminé, on a plus de grosses berlines Cadillac comme ça à l'ancienne. On va basculer sur la Civi, qui a une ligne un peu plus européenne, qui est en traction. C'est une toute autre philosophie. Et ils ont quand même sorti une voiture digne de ce nom pour boucler la boucle. Vraiment, on a envie de faire des bornes avec ça, quoi. C'est tellement plaisant. C'est exactement comme je l'imaginais, quoi. Le summum de Cadillac. Le concentré du savoir-faire Cadillac. En niveau sécurité, on a l'ABS quand même. On a l'anti-patinage, on a aussi les double airbags. Après, au niveau surface d'absorption, je pense qu'on est pas mal, hein, entre le long capot à l'avant et le long coffre à l'arrière. C'est un vrai salon roulant. Franchement, celui qui veut une bagnole déconnectée de la route, à la fois pas trop ancienne, on est sur une injection multipoint, on est quand même sur un moteur assez récent et extrêmement fiable, et ben, il en aura pour son argent. Climatisation automatique. Petit détail que j'aurais souhaité peut-être plus travailler sur une voiture de cette gamme et que j'ai trouvé intéressant chez Lincoln, c'est le travail sur les sons, les bruits des différentes fonctionnalités, donc le son là du clignotant, le son des voyants, la petite sonnette quand la porte est ouverte. Chez Lincoln, il y a un effet vraiment plus feutré, plus sonnette de palace. Chez Lincoln ou chez Chrysler d'ailleurs, j'ai un doute. En l'occurrence, là, on a le même son que sur n'importe quel Chevrolet, sur une Caprice, par exemple, qui est un modèle beaucoup plus populaire. Donc à ce niveau-là, elle se distingue pas trop. Ça avec le Komodo, mais en même temps, il y a un moment où il faut aussi standardiser les choses. Hein. Ils peuvent pas faire concevoir tout absolument pour un seul modèle. Hein. Il y a aussi des impératifs économiques. En plus, je crois que Cadillac à cette époque, c'était pas la folie. Hein. Le virage que j'appelle Matrix des années 2002-2003 avec toute cette nouvelle gamme de Cadillac, les CTS, etc., qui ont renouvelé l'image de Cadillac. Ont vraiment permis à la marque de se relever et de repartir à nouveau sur des bons chiffres de vente. Mais cette époque-là, on est vraiment sur quelque chose de. Bah voilà, c'est un peu ce qui a tué Cadillac au final, ces bagnoles-là. C'est des bagnoles trop conservatrices d'une époque révolue. Les européennes sont arrivées sur le marché et ont un peu cassé l'image
de ces voitures de luxe américaines. Donc, quand ces modèles étaient en concession, on savait aussi quelque part que c'était la fin, que la clientèle de ces voitures-là s'éteignait en même temps que ce modèle. Oui, parce qu'une clientèle âgée, principalement. C'est vraiment The Ultimate Edition qui tire sa révérence de la plus belle des manières et qui est incomparable avec une STS, avec une CTS, avec tout ce qu'il y a eu après. C'est la fin d'une époque. En conclusion, cette Cadillac est à la hauteur de ce que j'imaginais. C'est vraiment un bel hommage au Fluto du passé. On a un super cocktail entre look des années 70 et design technologie des années 90, mais pour autant, niveau confort, bah, elle me fait pas oublier la Lincoln Town Car 1988 que j'avais essayé et qui est encore au-dessus. Ce serait d'ailleurs intéressant d'essayer une Town Car des mêmes années que la Fluto pour comparer. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.